Aujourd'hui, on est sur la zone d'activité des petites forges à Jouy-l'Abbé où on a semé en novembre 2016 un hectare, une parcelle d'un hectare que nous a gentiment laissé la collectivité locale afin que l'on puisse semer notre blé et mener à bien la récolte. Le but en fait de cette action, c'est bien de sensibiliser les élus en général et les citoyens en général sur la perte de foncier abusive et qui s'en va toujours grandissante. Alors il y avait une accalmie, mais on voit bien que l'économie reprend et que l'attrait pour les terres agricoles afin de recréer encore de grandes zones d'activité revient un petit peu au goût du jour. Et donc voilà, notre intérêt pour nous, c'est bien dire attention, il y a déjà plein de zones partout, il ne faut pas faire n'importe quoi et la terre agricole, c'est notre outil de travail. Alors cette récolte-là, en fin de compte, elle va, on la redonne en fin de compte à l'AFDI. Nous avons la chance que les jeunes agriculteurs nous donnent cette récolte de blé donc pour nos actions en Afrique, au Burkina Faso et en Tunisie. C'est pour nous une action particulièrement exemplaire parce qu'elle est à la fois intéressante pour ce qui se passe ici dans la mobilisation. Il faut faire attention au devenir des terres agricoles, il faut les préserver. Mais également, eh bien, c'est aussi une sensibilisation potentielle dans les pays du Sud où il y a des problèmes d'accaparement des terres qui sont aussi un souci qu'il faut mobiliser. Donc voilà, c'est bien un objet de sensibilisation et quoi de plus symbolique que de semer du blé et ce blé-là, voilà, ça reste une valeur, c'est du pain, ça nourrit des gens et pour nous c'est l'outil de travail et c'est l'essentiel de notre métier, quoi.